Au programme du jour, l'affrontement entre les deux équipes du groupe C, à savoir le Liban en rouge et le Niger en blanc. Et une première période largement dominée par les Africains qui se sont procurés bon nombre d'occasions, comme cette tête ratée par Massoudi Salifou, bien servi au deuxième poteau par Ayouba Tidjani. Mais Joseph Bitar, le portier du Liban, a touché, dévié ce ballon qui semblait promis à l'ouverture du score. Il s'y voyait déjà, non pas en haut de l'affiche, mais avec le ballon dans les filets. En gros plan, Salifou. Nouvelle occasion pour le Niger avec ce coup franc direct dévié des deux points par Joseph Bitar, qui décidément a eu beaucoup de travail dans cette première période et toujours dans l'exercice du coup franc. Ayouba Tidjani, le numéro 9 du Niger. Les Blancs qui poussent pour mettre à mal la dégagement un petit peu raté de Joseph Bitar. Ça revient dans les pieds de Younoussa. Le centre, la mauvaise déviation de Wattfa. Ça profite à qui? Ça profite à l'intervention d'Abdoulaye Mahaman. Séché, petit coup de genou dans le menton. Carton jaune pour Rawad Al-Jetani. Le pénalty est logique. On va revoir ça au ralenti. Regardez, il se fait devancer, surpris par le jaillissement de l'ailier gauche du Niger. Pénalty à la 50e minute de ce premier acte, que va tirer évidemment le serial buteur du Niger, Mahamadou Ayouba Tidjani. Quête son duel, prend le portier, tire à droite, le portier était parti de l'autre côté. Contre-pied parfait. Et le Liban, dominé et acculé dans son camp, qui repart à la mi-temps avec un but dans la besace pour le Niger. 1-0 pour le Niger face au Liban. Première mi-temps largement dominée par les Blancs.